L'angle des avenues Biayi et de l'église Fepo-Neuf, grâce à l'engagement ferme du gouverneur du Katanga, Jacques Kiabula Katué, exécuté dans le cadre du programme PER de l'Office de voirie et drainage, les travaux évoluent rapidement. La chaussée a été raffermie par trois traversées en buse de 90 cm ou millimètres de diamètre. Un grand caniveau menant vers l'exécutoire sur la rivière Kamisepe a même vu jour. Pour l'heure, les équipes posent l'enrobé dense sur près de 350 mètres. Les usagers poussent un ouf de soulagement. Amina Sema, même chef de l'État, Barafago Bintou Biabien, gouverneur, Banawe Zago Paifa Chivi, Balabale Rwachakalabika Mbaya. Joe Balabale n'a pas propre. Vraiment, félicitations, courage, Félix, président, na gouverneur, Moumoué Misaïdi et San, nous continuons pas qu'à y vivre quand nous avons Zako. Chaque année, tout le monde a été balabala. Vraiment, mon embariqué, je ne m'en fais pas. Par ailleurs, les travaux d'assainissement se poursuivent en aval. Les populations du quartier Kaloubé Double Poteau vont désormais se familiariser avec la fluidité du trafic routier, car cet endroit était un véritable piège d'embouteillage de la ville de Lubumbashi. Toutefois, le gouvernement Kiabula relève le défi de la finalisation de tout le projet du programme PER. C'est notamment sur l'avenue du parc au quartier Makomeno, Ngongo Lutete, derrière le zoo de Lubumbashi.